Des lunettes aviateurs avec des flammes. Ce qu'on ne souhaite pas voir ensemble. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour un haul Shein. Il y a des décos, il y a des accessoires. Il y a des choses douteuses. J'ai tout acheté moi-même. Bien sûr, encore une fois, les proportions, tout ça, vous allez voir. C'était pas tout à fait ça. Et je voulais vous présenter ce que j'avais acheté. Voilà. Donc je commence par ce miroir. Attendez, parce qu'il vient pas tout seul. Attendez. Ça m'a fait beaucoup rire. Je vous raconte l'histoire. Donc ce miroir que je trouve magnifique. Ne regardez pas trop. Que je trouve magnifique. Il y avait une pellicule de protection qu'on peut retirer. Et c'était un miroir à franges comme ça, tout tissé. Vraiment, je le trouve super beau. Et hier, en mettant les choses au recyclage et à la poubelle, je me rends compte qu'ils ont fourni un peigne pour brosser les petites franges. Merci, c'est apprécié. Mais franchement, c'est magnifique. Ça va très bien avec mon étagère que j'ai pas encore mis quelque part. Mais je trouve que les deux ensemble, c'est super beau. Donc, les articles que je vais retrouver qui sont encore disponibles, je les mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc ça, c'est un win. Bonne pioche. Ensuite, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu un blackout. Je voulais des foulards. Vous avez vu. Vous allez voir, enfin je vous préviens, voilà, je vous montre tout de suite. Les foulards de Shein ne sont pas imprimés dans les deux bords, ils sont imprimés que dans un seul bord. Je préfère vous prévenir. Mais les couleurs, elles sont juste trop jolies. Alors moi je le porte comme ça, et je fais. Enfin bien, hein. Et puis je les mets, mais bon, j'essaie de les mettre à l'endroit aussi. Mais vous voyez ce que je vais dire, j'aime beaucoup les foulards. Alors je porte rarement de foulards ici. Je trouve que ça fait col roulé. C'est pas fait pour moi. Mais dans les cheveux, je trouve ça magnifique. Accrocher un sac, c'est super joli. Autour de la taille, n'y pense même pas. Hein, ça fait même pas la. Mais vous voyez ce que je veux dire. Les foulards, c'est le fun. J'ai longtemps rebuté. Cette phrase, j'ai longtemps été rebutée par les foulards. Juste parce que ma mère en portait et aimait beaucoup les foulards. Je sais, des fois on a des blocages dans la vie. Et parce que bah, tu sais, tu penses que ça fait vieux et nanana. Celui-ci, oh, est-ce qu'il est pas magnifique? La couleur, magnifique. Pour une fois, j'ai pas coupé dans le tissu. Pas pour une fois. Parce que la dernière fois, on se rappelle, j'ai coupé dans le tissu. Bon, c'est toujours pas réparé. Hein. Je pense que, soyons francs entre nous, je ne réparerai jamais. Même si les choses à disposition, non. Et souffleur, je pensais que c'était des petites panthères dessus. Mais en fait, non, c'est des petits dalmatiens. Mais c'est encore plus beau du coup, regarde. Des dalmatiens et des pêches ou des oranges et des feuilles de palmier. Écoute, c'est imprimé. Je suis super fan. Genre, si ça existait, genre en papier cadeau, en print pour mettre au mur ou quoi, j'aurais acheté direct. C'est trop joli. J'adore. Je suis super fan. Et celui-ci, qui est imprimé coquillage, chêne, tutti quanti, pastel. J'aime beaucoup. Donc, ça, c'est ça. Alors là, il y a. J'ai un élément un petit peu what the fuck. Je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'est pas un collier. C'est un élément de décoration. Alors, oui, je comprends. Enfin, le truc, c'était... Bon, je vais vous montrer la photo. C'était beau sur la photo. Et moi, je l'ai reçu. Il était tout plié. Il a fallu que je le déplie. Mais comment je fais pour le mettre au mur? Il a un mauvais pli maintenant. Je vais faire un collier. Mais non, mais voilà. Donc je voulais que ça aille avec ben, le cadre. Enfin pas le cadre, le miroir et tout. Mais il est tout plié, comment on veut faire? Quelqu'un a une idée? Merci de bien vouloir m'aider. Sinon je ne saurais quoi en faire. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Oh, j'ai des lunettes de soleil. Parce que j'en ai pas beaucoup. Hein. Attention. Des lunettes aviateurs avec des flammes. Ce qu'on ne souhaite pas voir ensemble. C'est pas le combo du siècle. Mais écoutez, ça,
Je me suis aussi acheté un ramasse-miettes. Vous allez me dire, il a fallu que tu fasses une commande chez Shein pour un ramasse-miettes. Je sais pas. C'était là. C'était là et je me suis dit, tiens, ce serait cool parce que ma table à manger est tout en pleine de miettes. Alors oui, certes, je pourrais passer un chiffon. Mais j'ai jamais le chiffon à côté. Ça, je vais le laisser sur la table. Et puis voilà. Et de l'autre côté, il y a le truc qui enlève les poils ou je sais pas trop, là, vous savez. Voilà. Simple comme chou. Alors, cet objet m'a intriguée. J'en avais parlé à Mathieu. J'ai dit, regarde, c'est ce produit, ça a l'air magique. Alors, je sais pas trop comment ça fonctionne. C'est un truc pour mettre le dentifrice dedans. Mais tu l'accroches au mur. C'est ça. Ça s'appelle comment ? Ça s'appelle pas Kaku, je mettrai un autocollant dessus, il est moche. La couleur est super belle par contre. C'est couleur random. Donc t'accroches ça au mur. Après ça, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Je sais pas ce qu'il faut faire. Il y a un mode d'emploi. Accroche au mur. Mais c'est pas écrit dans ma langue. Est-ce que ça dispense tout seul? Quelqu'un a déjà utilisé ça? Et sait comment ça fonctionne? Parce que bon, je suis intriguée. Parce que en fait, je vais vous partager une histoire. C'est que notre lavabo est minuscule. Genre seul autour de mon lavabo. En plus de ça, il y a deux portes savon. Donc ça prend toute la place. Donc il y a deux portes savon soudées au mur. Et en dessous, il y a le robinet. Et du coup, il y a juste l'espace entre le porte savon au-dessus du robinet et en dessous du porte savon. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Et pour le coup. Et pour le coup, ben, on peut rien mettre autour du lavabo. Ou alors des trucs très 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 genre Jenga, tu vois. On a le savon à main et on a ma crème pour le corps. Ma brosse à dents trône derrière le robinet. Mais il n'y a plus de place pour mettre la dentifrice. Oh, dentifrice, on dit le ou la. Moi, je varie les plaisirs. Allez, il est non binaire. Je mets dans la pharmacie, mais à chaque fois je retire de la pharmacie, le déodorant tombe. Du coup, je me suis dit, si on avait le truc pour mettre le dentifrice à côté de la pharmacie ou sur le miroir de la pharmacie, histoire de pas dégommer tout, bah ça serait cool. Voilà mon raisonnement. J'espère que ça vous a beaucoup appris des choses sur ma personne. En bien. J'ai acheté des boucles d'oreilles. Non, je sais, j'en achète pas souvent, mais je sais pas, cette fois-ci j'étais un petit peu tentée. J'ai trouvé ces petits diamants en acrylique. Trop jolis. Alors, proportion, encore une fois, il n'y a rien qui mette pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'on achète, quelle est l'échelle du truc. C'est pas grave. J'ai acheté des chaussettes. Alors, ces chaussettes-là, ils en ont souvent, des chaussettes comme ça, transparence. Mais j'ai pris celle-ci parce qu'elle avait un arc-en-ciel, c'est trop cute. Transparence et tout. Puis, moi, j'aime pas porter mes chaussures fermées, les chaussures mi-saison, sans chaussettes. Mais des fois, avec des chaussettes, c'est trop chaud, tu vois. Mais je me suis dit, si il y a des chaussettes comme ça, c'est bien. Mais je sais pas comment, c'est quoi le fil, genre. Parce que des fois, on a des chaussettes comme ça, puis vous savez, dites-moi si vous me comprenez, ok? Quand vous mettez des collants en nylon, tu sais, ça glisse dans les chaussures. Ça fait mal aux pieds, non? Ou je suis juste... Oh, ça me pique. Ou je suis juste la seule à qui ça arrive parce que je déteste ce feeling. Alors, à chaque fois que je mets des collants, ce qui n'est pas arrivé depuis les 5 dernières années, je mets des chaussettes par-dessus, mais dans mes chaussures, mais personne ne les voit. Mais si je mets des collants, mes chaussures sont un peu plus hautes en général. Ce qui fait que je peux pas porter de collants avec des chaussures basses. Ou alors des chaussettes... Oh, bref. Voilà, donc tout ça pour dire que j'aurais aimé savoir si ça glisse dans les chaussures ou pas. C'est tout. Tout ça pour ça. J'ai acheté des barrettes. Vous savez, ces barrettes en acrylique au paillet. Hein? Celles-ci, ces boucles d'oreilles sont super jolies. Alors, le truc, c'est que... Là, j'ai bien regardé la photo par rapport à ce que j'ai reçu. L'échelle n'est pas bonne. Hein. J'ai juste envie de vous dire. C'est pas grave puisque le modèle est magnifique. Mais ça ne ressemble pas du tout à ce que j'avais vu.
Mais regarde, j'aime bien, je trouve ça trop original. T'as vu? Tu vois? Comme c'est beau. Regarde, c'est magnifique. De toute beauté. Ok, next. Ça n'est pas une ceinture, c'est une guirlande avec les phases de la lune. Alors je sais pas, il y en a qui manque des trucs. Non, attends. Ça, ça se met comme ça. Ta 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 ta. Ok, vous voyez, ça se présente. Ça se présente comme ça. Et ben, vous l'accrochez au mur et ça vous fait une guirlande. Et ce que j'avais pas vu, c'est que tous les petits éléments sont en bois spray painté. Et je trouve que c'est encore plus joli qu'en métal en fait. Donc c'était une excellente surprise. Et comme de par hasard, vous savez, vous avez vu peut-être dans mes vlogs, j'ai reçu des cadres, j'ai pas reçu, j'ai trouvé dans la poubelle plein de cadres dorés neufs que je voulais garder parce que j'ai trouvé magnifique et que je trouve que les cadres c'est beaucoup trop cher. Et ben ça, je vais le mettre dans un des cadres parce que ça va être beau ensemble. C'est le même doré, le même bois, enfin le même bois, ben, c'est en bois doré, je trouve que ça va faire beau. Donc ça, c'est un projet, nous verrons dans le vlog. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai acheté, alors ces boucles d'oreilles dans ma tête n'étaient pas de cette taille là. Elles sont magnifiques, hein. J'aime beaucoup 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 le design un peu je sais pas trop. Je sais pas comment on appelle ça, aucune idée. Mais j'aime bien parce qu'ils en font de plus en plus des trucs comme ça. J'imaginais genre comme ça. Ce qui n'est pas le cas. Mais quand même, elles sont très mignonnes et voilà, je vais les garder quand même. Ensuite, en plus on peut pas rendre les accessoires. J'ai pris une chevalière. Lune et soleil. Leurs bagues sont cool, hein, mais c'est taille unique. Donc celle-là, c'est une bague Shein. Avant, j'avais beaucoup de problèmes avec, puisqu'ils sont pas ajustables. Du coup, c'était toujours trop grand. Mais là, je me suis dit, oh, c'est pas grave, j'ai acheté quand même. Parce que si c'est trop grand, au moins, je peux mettre le... Vous savez, l'ajusteur de bague. Au moins, je peux mettre ça. Et je trouve qu'elles sont belles, leurs bagues. Mais comment tu sais? Puis, comme ça. Regarde comme c'est beau. Alors, est-ce que c'est... ça me va? Ça me va! Ça me va! Oh, mais c'est trop beau, j'adore. Ça va, ça doit m'aller ici, mais normal. Oh, de toute beauté, j'adore. Ensuite, j'ai acheté 2-3 petits élastiques avec des nœuds dessus parce que je trouvais ça très joli. En plus de ça, voilà, ils sont comme ça. Il y a des petits trucs dorés qui rendent la fête encore plus folle. Donc voilà, vous pouvez les porter comme ça, en arrière aussi c'est cute, en bas, je trouve que c'est bien quand ça sort un petit peu, il y a tout plein de couleurs super estivales, et un noir, et un blanc, comme ça tout le monde est content, voilà. Moi de toute façon, dès qu'il y a un rose, un kaki, un teal, je prends, et d'autres. Ensuite, j'ai pris une barrette, regarde-moi ça cette barrette. Je savais pas qu'elle était bicolore, mais elle est encore mieux que dans mes rêves les plus fous. En plus, c'est des barrettes comme ça là. Oh, elle fonctionne. Ces barrettes, ils aiment bien. Tu pourrais les mettre comme ça. Oh, oh. Mm, 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 mm. De toute beauté. Voilà. Donc, je suis très contente de cette barrette là. En plus, elle ferme. Est-ce que vous vous rappelez, quand on était petite, à un moment donné, ça ferme plus. C'était là. Ok, et là ça ferme plus. Non. Ok. Parce que j'aime bien des fois, parce que vous comprenez mes choses. Mais des fois je me sens seule et grâce à vous, je me sens moins seule. Ensuite, j'ai acheté les boucles d'oreilles copiées de Bubble Bar, encore une fois. Mais inspiration docteur ou infirmier. Voilà. En strass. C'est beau, hein? Oui. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais pas tout vous dévoiler tout de suite. Je vais le sortir tout de suite.
J'ai trouvé la lettre D. C'est d'un coup, je ne me rappelle plus la première lettre de mon nom. Mais qui était super jolie en pendentif. Ils font toutes les lettres. Et pour une fois, ma lettre, elle n'était pas moche. Voilà. Parce que je trouve pas que le D, ce soit une belle lettre à la base. Mais j'aime énormément celui-ci avec toutes les strass de toutes les couleurs. Magnifique. Ensuite, j'ai acheté des boucles d'oreilles football. Regarde, les crampons sont en strass. Moi, j'aime bien. Et j'ai acheté d'autres boucles d'oreilles football. Américain. Mais c'est football américain ou rugby? L'un ou l'autre, on s'en fout. Je ne regarde aucun des deux. Voilà, en strass. Je pense que j'ai tout montré. J'espère que ce haul vous a plu et que vous serez là demain pour... Qu'est-ce que ça va être? Girl Ready With Me? Oui, on va tester la palette de Shroud, on va tester la palette de Milani, les glosses de... J'ai envie de tester les glosses de Maybelline avec vous pour voir. Et d'autres produits sympas. J'espère que vous allez être là avec moi et merci d'avoir passé ces petites minutes en ma compagnie. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye.